Bonjour les amis, hors suite du dépannage. J'ai retrouvé alors la sonde de température, je ne sais plus comment ils appellent ça là, c'était haché, j'en sais plus. Elle est ici. Donc ça, c'est le fil. Faut le débrancher et faut vous mesurer à température ambiante. Oh, température ambiante, ils sont marrants. Alors, si votre maison est à 24 degrés ou si elle est à 18 ou elle est à 16. Donc, faut pas que ça soit en dessous de 14 000 ohms ou 14 kilo ohms avec un maîtrise. Un maîtrise. Ah, c'est ça ce qu'il y a là. Pressé, ça veut pas sortir. Hein, il va falloir souder le bloc. Voilà, donc faut le mettre à 20K. Branché sur ohm ici et le noir c'est ohm. Voilà. Donc après, vous mettez les deux fiches. J'étais obligé de vous le démonter pour vous, hein. Je vais vous faire des conneries. Enfin, c'est un plaisir. Alors, d'ici ici, vous voyez les trucs métalliques. Mettez la fiche là et là. Alors, la fiche. On va dire, ouais, c'est quoi la fiche? Ah, c'est pour vous, les dames, si vous n'avez pas l'habitude. Pensez aux dames, hein, quand même. Voilà. Donc, vous le mettez ici. Alors, vous avez compris, quoi, dans le trou, là. Avec une main, j'arriverai pas. Voilà. Ici. Et le deuxième à côté. Je peux pas le faire avec le deuxième. Le deuxième, voilà, à côté. La sonde 14 kilo-ohms qui est présentée sur le. Elle est ici. Vous voyez, je sais pas si vous voyez le papier vert. Hein? Il est là. Donc, il faut vous démonter ça. Une vis là, puis une vis je ne sais où. Alors par contre, faites attention parce qu'il y a un truc là avec le tournevis. Parce que c'est un plastique qui est clipsé là. Pourquoi ils ont fait ça? C'est chiant. Bon, moi, ça s'est démonté facilement. Il est tellement démonté, bah, à force, ça finit par descendre tout seul. Et ici, la sonde, elle est ici, si vous devez la remplacer. Hein. S'il n'y a rien, si elle est coupée, comme ils disent coupée, c'est-à-dire que il n'y a aucune mesure qui se présente, c'est zéro ou très très faible à température ambiante. Si c'est pas 14 000 ohms, que c'est plus, ça m'étonnerait que ça soit plus, ça sera plutôt coupé. Bon, bah, c'est pas compliqué, faut le changer. Faut commander, ça coûte cher, hein, 56 euros. Bon, moi j'ai mesuré, c'était ok, la sonde était bonne. Alors, ouais, j'ai débranché là, ouais. Et enfin, quand j'ai commandé une carte. Je voulais aussi commander la sonde, mais j'y croyais pas trop, histoire de la sonde. Et tiens, je ferais. Voilà. Donc, j'ai commandé la carte, je l'ai branchée, tout est rentré dans l'ordre. C'est bien la carte qui est cramée. Eh ouais, elle aussi, elle rend l'homme. Alors, elle dit sonde défectueuse. En réalité, c'est la carte qui a lâché. Je viens de perdre une vis. Il y avait une vis. Eh ouais, il y avait une vis. J'ai pas dû mettre tous les vis. Ben voilà, en direct, je viens de perdre une vis. Ouais, super, on va la retrouver toi. Bon, bon sur ce, ok, ben, ça marche. Hein. J'ai plus le code erreur D53. Oh, tout va bien. Je vais pas la brancher, ça sert à rien. Je vous dis que ça fonctionne. Croyez-moi. À bientôt les amis. C'est quand tu veux. Hein.